לא תלין פעולת שכיר איתך עד הבוקר, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי אני הוא ואליו, הוא נשוא את נפשו, ולא יקרא עליך, שדון לו ביור, איסי שאני רואה לזה לברסה, כי אקספיק מנון ל... לא פעל דיבל, לא פעל תרובי. לא, לא, לא. Eh ben oui, il a raison. Excuse-moi. Eh alors, ouais. Dites deuxième passage, troisième passage, c'est comme ça. Je suis en train de vous expliquer dans la Torah quelles sont les sources. Je vous cite les versets. Ah d'accord, pardon. Qui traitent maintenant quoi. Des obligations du, prof, du, voilà. du patron par rapport à ses ouvriers. Excuse-moi. Et la Torah nous oblige. Un ouvrier qui est payé à la journée, il doit être payé à la fin de la journée. Alors qu'est-ce qu'on appelle la fin de la journée? Alors il y a deux types d'ouvriers. Il y a ceux qui travaillent le jour, ceux qui travaillent la nuit. Alors la Mishnah va nous expliquer. Celui qui travaille le jour, jusqu'à quel moment on considère que on n'est pas transgressé l'interdit de la Torah. C'est un laf de la Torah, vous savez. Celui qui ne paye pas son ouvrier le jour dû, c'est comme s'il mangeait un morceau de cochon. Hein. C'est la même chose, hein. C'est un laf. Ouais, que les gens ne s'imaginent pas que c'est pas grave, le mec il aura son salaire le lendemain ou dans trois jours. Ouais. C'est comme ça, hein. C'est la même obligation. Que ce soit bien clair pour les patrons qu'il y a dans cette salle. Ne dis pas qu'il y a payé leur sac à la place. Et les compter les patrons. C'était dans demain. Ouais, c'est ce que j'ai dit, hein, hein, ouais. Les patrons, hein, ouais. On les voit, les patrons. Ne dis pas qu'il y a payé leur sac à la place. Alors regardez, tout ça, ça a une source dans la Torah, ces versets qui disent maintenant qu'en plus de ça, Akadosh Baruch Hu, il est impassible, impardonnable. C'est-à-dire que si maintenant l'ouvrier vient à vous péter devant Hachem, alors le patron, le pauvre, il va recevoir bien comme il faut. Donc, il vaut mieux pas provoquer la colère de... Ah, il va dire. D'accord. Alors, il dit ici la chose suivante. Issur ze mitiaches le halanat sachar. L'interdiction ici de Beyomo Titen Sraho, ça vient maintenant nous préciser l'interdiction de garder le salaire, ne serait-ce que parce que maintenant, voilà, un type, il dit, j'ai pas envie de payer aujourd'hui, je paierai demain. Ouais, c'est grave, ça. Bien sûr. Parce que l'employé, il est payé la journée, il a besoin de ce salaire de la journée pour pouvoir manger. Pour acheter la baguette. Exactement. Donc, maintenant, on ne peut pas se permettre de retenir ne serait-ce qu'une... On va voir jusqu'où ça va. Et l'obligation, elle va varier en fonction que c'est un ouvrier journalier qui travaille le jour ou de la nuit. D'accord. Alors, regardez ce qu'a dit la Mishnah. Tririom gove kol alayla. Quelqu'un qui est payé pour travailler le matin jusqu'au soir. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant Beyomo Titen Sraho? On doit lui donner son salaire en son temps. J'ai toute la nuit pour le payer. Toute la nuit qui suit. A contrario, Srir Laila, Gove Kolayom. Celui qui travaille toute la nuit, un gardien de nuit par exemple, le lendemain matin, il vient, le jour se lève, il me dit paye-moi, j'ai jusqu'à la fin de la journée pour le payer. La nouvelle équipe. Donc, voilà. C'est pas là, normal. Là, ça, pourquoi c'est pas normal? Ah ben, si le matin, le pauvre, il a besoin de casser la croûte, alors il n'a pas d'argent. Oui, mais moi, il me faut le temps de pouvoir m'organiser. Moi, alors, la Torah m'a dit, en tant que patron... C'est fourni, le repas. Ça dépend, pas toujours. J'ai compris. Non, le panier repas, il n'est pas forcément... Déjà, ensuite, il faut savoir que lui, peut-être qu'il faut qu'il nourrisse sa famille. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc ici, la situation est la suivante. Il dit que... vous savez qu'il y a... En fait, je ne vous le savais pas, mais je vais vous le dire. Il y a une discussion dans la Gemara entre deux Tanaïm, entre Rabbi Shimon et Rabbi Houda. Oui. Est-ce que maintenant le bonhomme, on doit le payer? On a dans les 24 heures, ça s'appelle la même journée. Ouais. Tu commences en début de la nuit, tu finis à la fin de la journée, ça fait 24 heures, donc ça s'appelle Beyomo. Ouais. Et donc dans ces conditions, moi je suis dans les temps. Ouais, mais... Ou alors est-ce que maintenant je dois payer avant la fin de la période de travail? C'est-à-dire, que ça veut dire? Tu dois lui donner en son temps. Il y a travail de, on va dire, le net, c'est quelle heure? 8h moins le quart? Jusqu'à l'HKIA, c'est quelle heure? 6h? Hop là. Ouais. Donc, avant 6h, je dois lui payer. Ça, c'est un autre avis, d'accord? Ouais, ça, oui. Il puisse s'organiser. Pas seulement qu'il puisse s'organiser, mais est-ce que moi, maintenant, le mec qui finit son boulot, tac, il est en droit d'exiger son salaire? Alors, moi, je suis obligé de lui payer en son temps. C'est ça la question. Il y a d'autres impératifs. S'il le paye en espèces, il n'a pas toujours des espèces. Alors, il doit s'organiser. Attends, tu crois que ce genre d'impératif, l'employé, il est obligé de s'en occuper. Lui, il a un travail à faire, il a fait son travail. Pourquoi maintenant tu vas commencer à lui dire, tu sais, j'ai pas d'argent? Tu sais, moi, ça me rend fou, ces patrons qui disent, ben, reviens demain, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas fait une bonne journée. Il fallait pas l'employer. Ah ouais, mais il ne faut pas le mettre dans les enseignes. Elle est enchante. D'accord. Oui, d'accord. Après. Donc que ce soit bien clair. Ensuite. Alors, par extension, maintenant un type qui est payé. Alors on va voir ici, tourner la page. Srir Shabbat, Srir Chodesh, Srir Shana,
triche à voir. Si maintenant le type est payé à la semaine, hein, vous savez que dans certains pays, il paye le salaire à la semaine. Ouais. Ça va, les gars, vous êtes allez, tous... Vas-y. Page 212. Il a détourné la page. 212. 2-1-2, tu vois, Henri la roule. 212. Non, il n'a pas la page. Ah oui, c'est vrai, il est israélien, il ne connaît pas le français. Mais c'est pas le... Il faut qu'il rapprend le français. C'est pour ça, c'est pas de ma faute, hein. Désolé, il a un livre, il est d'année dernière. Comment veux-tu que je suis? Je ne le suis pas. Henri, avec une équipe comme ça, je peux t'assurer qu'on peut faire le cercle du soleil. Tu peux tourner, hein. Je suis à 213. Il n'y en a pas. Ça va, bien avec moi. Allez, Henri, vas-y. Roule. Bon, avec toi, qu'est-ce qu'on roule? Justement, t'es toujours à l'arrêt. On s'étonne après. Srir Shabbat, Srir Chodesh, Srir Shana, Srir Shavua. Alors, on va vous expliquer. Si quelqu'un était payé à la semaine, au mois, à l'année ou à la Shemitah, ouais, le type, il a un contrat de travail pour 7 ans. Alors, pour la Shemitah, il n'y a pas un dîme où c'est annulé. Les dettes. C'est Mammon. Les conditions. Dans tous les cas, dans ces cas-là, Yatsa Bayom, Gove Kolalaila. Le type finit son travail la journée, alors j'ai toute la nuit qui suit pour le payer. Yatsa Balaila. Je vous prends votre livre, hein, monsieur Salam. Non, mon trou, c'est 200 places. Yatsa balayla gove kolayom. Pareil, dis-moi. Si maintenant, il a fini son travail la nuit, alors on a toute la journée pour le payer. Alors, regardez. Et à la semaine, il y a toute la semaine pour le payer. Non, si tu travailles la semaine, au bout de la semaine, à la fin de la semaine, tu le payes. Voilà. Mais maintenant, il a fini le jour, tu as la nuit d'après pour payer. Ça ne s'appelle pas que tu retiens ton salaire. Encore une fois, j'insiste. Tu peux lui donner avant. Hein. Sur le fait. Tu travailles à l'année, tu attends la fin de l'année pour le payer. Ouais. 7 ans. J'insiste sur le fait que, ne serait-ce que retenir un instant de plus, on transgresse un lave de la Torah. Et pas seulement, je le dis, c'est aussi important que gratter une allumette Shabbat. Non, parce que là. Ça c'est encore pire, mais en tout cas manger un morceau de bassin bechalav, comme on va, c'est la même chose. Mais ensuite, en plus de ça, c'est que l'ouvrier il peut se plaindre auprès d'Hachem, et quand je m'en fous, il écoute sa plainte. Hein. Donc ne rigolez pas. Hein. Bien sûr. Moi je tiens à dire ici, s'il y a des patrons dans la salle, faites gaffe. Ça pas beaucoup. Voilà. Ça c'est écrit, généralement c'est un arrangement entre l'ouvrier. Il n'y a pas d'arrangement. Bien sûr. Il n'y a pas d'arrangement. Oui, mais le patron, si tu dis il n'y a pas d'argent, il va dire tiens, je t'avance un peu d'argent pour aujourd'hui, puis tu commences le travail. Mais il n'y a pas tout donné. Hein. Non, mais. Ça c'est bien de faire ça. Ça dépend. Il dit que déjà, rien que le fait de le payer. Mais c'est comme alors, ça. Alors, une avance, ça c'est encore un autre problème. C'était comme ça. Yalla. Alors regardez, donc, si vous personne pour autre chose qui n'est pas mentionné dans le Mishnah mais dans la morale, on parle, si quelqu'un il est payé pour quelques heures, oui, alors il est payé maintenant pour 4 heures de boulot. Alors ouais. Alors quand est-ce qu'on doit le payer? À la fin de la quatrième. Alors, et on a toute la journée pendant laquelle maintenant il a commencé ses horaires, si c'est de 8h à midi, on a jusqu'au coucher du soleil, et si c'est de 22h à 4h du matin, par exemple, on a jusqu'au lendemain matin, jusqu'au net, à savoir jusqu'à 7h, jusqu'à 8h. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on peut apprendre concernant cette Mishnah. D'accord ? Allez. C'est un peu trouble, ça, parce que s'il a 15 employés, ça va, mais s'il a 500... Et dis-moi, il a 500 employés, il faut qu'il les paye tous en même temps, Aziz. Tu sais, je vais te dire un truc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison pour que maintenant, on laisse l'employé un... Comment ils vont savoir... Non ? Eh bien, il doit avoir les heures de travail. Mais comment les avoir? Mais dis-moi, je suis désolé, le travail a été fait. Bah, tout de suite. Alors pourquoi maintenant tu veux attendre pour le payer? Voilà. Alors justement, donc maintenant... Bon, monsieur le banquier ne veut plus apporter... le banquier, vous n'êtes pas sorti. Vous êtes sadique avant... Ouais, c'est ça. C'est pas comme maintenant. Bah, moi, ça ne me regarde pas, mais je tiens à dire... Ouais, après, vous voyez, moi je dis... Moi, je dis, des fois, vous achetez un croissant, vous mettez 3 semaines pour le manger tellement il est dur. C'est vrai, t'as raison, ça dépend où tu l'achètes. Il faut vraiment avoir faim, là. Hein. Allez. Il faut vraiment avoir faim. Bon. Allez, on est en retard. Hein. On n'est pas en retard, on est à l'heure.
Et on va faire maintenant la Gemara dans Baba Kama. D'accord. Alors regardez. Nous, on a un principe qui est le suivant. Vous savez qu'il y a deux sortes de voleurs. Il y a le ganav et le gazlan. Gazlan. Oui. Ah oui, okay. Ganav, c'est le voleur. Il n'a pas peur. Le voleur. Non, non. Le vol. On va voir. Oui, le. C'est le professionnel, le ganav. À côté de gazlan, il est un petit délinquant. Voilà. Ganav. Non. Non. Le jour. Ganav, il vole de nuit. Eh ben, donc il a peur de. Il vole en cachette. Il n'a pas peur de ça. Je vais vous expliquer. Il y a deux choses. Il a peur des hommes, il n'a pas peur de. Quelqu'un qui vole maintenant ouvertement, ouais, on dit celui-là, il a aussi peur des hommes que de Dieu. Quelqu'un qui vole en cachette, il a plus peur des hommes que de Dieu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc dans les deux cas, il a peur d'Hachem. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. La question. Enfin, il a aussi pas peur, Hachem, parce qu'il n'a pas peur. S'il vole, c'est qu'il n'a pas peur. Oui, c'est ça. Alors la Gemara, elle vient ici expliquer cette raison. Pourquoi maintenant on est plus marmire sur le ganav que sur le gazlan? Vous savez que c'est marqué à Baba Marteret, celui qui vient en cachette volé, si jamais un propriétaire il vient et le tue, légitime défense, c'est pas de problème. Hein. Même si c'est en. Vous savez que la légitime défense, c'est pas seulement une riposte. Le type il vient, tu prends, tu tires avant qu'il tire, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais au mieux avant qu'il tire, parce que s'il tire avant. Ouais, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux le tirer toi avant qu'il tire. Il vaut mieux attendre les premières sommations. Parce que après. Ah, regardez. On n'a pas le temps de tirer. Donc. Sha'alou, Talmida, avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai ont posé la question suivante. Mipenema, Echmira, Torah, Baganav, Yoter, Migazlan. Pourquoi la Torah elle est plus stricte avec le Ganav, celui qui vole en cachette? Yoter Migazlan, par rapport à celui qui vole ouvertement. Voilà. Amar Lahen, il leur a répondu Ze Hishva Kevod Eved le Kevod Kono. Celui qui vole a découvert comme ça. Il a mis au même niveau l'honneur qui est dû au maître et l'honneur qui doit être rendu à l'esclave. On va expliquer. Ze Hishva, Lo Hishva Kevod Eved le Kevod Kono. Mais par contre, celui qui vole en cachette, il n'a pas mis au même niveau l'honneur qui est rendu au maître et l'honneur qui est rendu à l'esclave, Kaviakol, si c'est possible. Ouais. Pourquoi? Asa Ain Shelmata ki ilu ena roa ve ozen shelmata ki ilu ena shumat. Parce qu'il a fait comme si l'œil d'en bas il ne le voit pas et l'oreille d'en bas elle ne l'entend pas. Sous-entendu, un voleur qui vole en cachette, lui il a peur de qui? Il a peur de personne. Il a peur, il n'a pas peur de Dieu, il va voler, mais il a peur de l'homme. Donc ça veut dire que pour lui, c'est plus grave. Il est plus dangereux pour lui l'homme qu'Hachem. Voilà. Ouais, c'est plus dangereux pour lui l'homme que le. Que Hachem. Donc, ça, c'est le voleur. Ça, c'est Ganav. Alors que Gazlan, lui, ouvertement, il dit maintenant, voilà, il va, je vole, j'ai pas peur de Dieu, mais j'ai pas peur de toi. Il n'y a plus que le portrait du voisin. Voilà. Alors regardez ce qu'il dit ici. Enfin, les deux, ils n'ont pas peur du bon Dieu. Hein. Non. Quand tu voles, on va dire qu'il y en a un peu plus. C'est évident. Non, non, ils n'ont pas peur du bon Dieu. C'est regardez. C'est le même, généralement. Shoresh, Ancho, Ahamu. Prenez le dernier paragraphe en bas, la dernière ligne. Donc, la racine de cette punition aussi grave est il faut l'orak al-gnevat maman. C'est pas seulement sur le fait que le type il a volé, que le mec il a transgressé l'interdit à tort. On a dit que c'est très grave puisque c'est le seul qui peut être privé de liberté, c'est le voleur. Et la al-pegima chamura. Il a aussi abîmé le fait qu'il ne craint plus Hachem. Veine, Rabban Yochanan ben Zakkai. Et voici ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a répondu chez Eshiv Kach al Talminav. Beshochvo al Eres Devai, Bikshu Mimeno Talminav chez Yvarechem. Vous savez, alors qu'il était mourant, ses élèves lui ont demandé une bénédiction. Amarlem leur a dit qu'est-ce qu'il leur a dit Rabban Yochanan ben Zakkai? Moi, je vous souhaite une seule chose, que vous ayez aussi peur de Dieu que vous avez peur des hommes. Ah ouais. Et dis-moi, c'est pas ce qu'on souhaite à des gens. La crainte d'Hachem, elle doit être supérieure à la crainte des hommes. Ah, mais des gens qui craignent les hommes, c'est ça. Amroulot Amidaou, ses élèves, ils lui ont dit, mais dis-moi, Adkan, quoi, jusqu'à là,
האם אינך מברכנו שנזכה ליראה מהשם יותר מיראתנו מבשר ודם? Tu ne veux pas nous bénédire en nous souhaitant d'avoir plus à craindre Dieu que craindre les hommes? Et Shivam, il a répondu, Alvai, Alvai, Shetagiou, le Darga, Shetirou, Mahashem, Kemi Basavadam, que vous ayez conscience de la présence divine autant que de la présence d'Hachem, et que vous ayez autant peur de décevoir Hachem que vous décevriez les gens qui sont en face de vous. Voilà. C'est ce qu'il a répondu Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves. Kedoshim ou Torim, qui était saint et tahor et pur. Berega Kadosh, chef Tirato, au moment où malheureusement il devait rendre son âme. Ou Bachar le Ha'atsil Aleem Bracha, Vehi Shiru Mehashem Keshem Shem Yirim Umitbaishim Ipne Basavadam. Vous imaginez, au moment de mourir, il dit voilà, la seule bénédiction que je peux vous faire, c'est que vous preniez conscience que vous ayez autant de crainte de Dieu que celle de faire. Parce que, en fait, c'est très facile à comprendre finalement. Quand vous n'avez pas en face de vous la personne à qui vous devez maintenant rendre compte, vous vous dites c'est pas grave, il n'est pas là, il n'a pas vu. Ouais. Alors là, sachez que dans le Pirkei Avot, c'est marqué que quand je vois au coup, il entend tout, il voit tout, il note tout. Et à un moment donné, quand on va faire les comptes, il n'oublie rien. Hein. Rien du tout. Hein. Ouais. Il y a. Et on va. Oh là là! Arrange la caméra. Hein. Arrange parce que. C'est bon, je s'en fous. C'est agité, eux. Oh là là, là. T'es sûr que t'es... Ouais, n'y dis rien, parce que moi aussi, vous m'avez rien dit. Voilà, et la crainte de la caméra, plus que la crainte de... Il y a la rôle. Du Dieu qui est en face de toi. Bon, moi, je crois que j'ai fini. T'es religieux, tu rentres, une famille qui n'est pas très... Ta famille, tu rentres, le gars, il te voit, il met la kippa. Et tu vois. Avant de, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils te craignent plus à toi? Non, c'est pas une question de crainte, c'est une question de respect. Ouais. Non. Il y a des situations où les gens, ils veulent respecter les gens, vous savez. Il y en a plein, quand ils vont à la mosquée, ils enlèvent leurs chaussures, ou quand ils rentrent dans une église, ils enlèvent leur chapeau. C'est parce qu'ils veulent montrer une marque de respect vis-à-vis de la chose. C'est un peu. Je dirais. Quelque part, c'est bien. Maintenant, si les gens, ils n'ont pas de conviction quand ils mettent la kippa sur la tête, mais c'est pour te faire plaisir, c'est bien. Au moins pour toi. Mais. Il a déjà fait quelque chose, il a fait un pas. Non, c'est pas un pas, mais au moins. Oui, mais quoi, il a marqué. Il y a une certaine différence. Voilà. Bien sûr. Quand tu vois un mec en voiture avec la kippa, c'est bon, Shabbat. Je sais qu'il a la kippa. Je sais qu'il a la kippa. כי ההרגשה המוחשית לחוש כאילו השם עומד לפניך ולהתבייש ממנו היא דרגה גבוהה שאפילו תלמידי רבן יוחנן זכאי זקוקים לברכה על כך מרמב"ם. Ce que je viens de vous dire oralement, c'est ça, c'est-à-dire maintenant, si vous êtes en mesure d'être conscient de la présence d'Hachem autant que la présence d'un être humain, ça c'est une bracha qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Qu'un maître comme Rabbi Yochanan Zakkai peut souhaiter à ses élèves au moment de mourir. C'est-à-dire maintenant, prenez conscience que Dieu il est à côté de vous là. C'est pas que maintenant. Ouais. Hier, il y a un ami, il m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu voir le fils de mon maître, il m'a dit, où il est Dieu? Tu le vois, toi, tu as déjà vu Dieu? Hein, c'est ce qu'il m'a dit. Ben oui. Quand hier matin. Ah, déjà? Ouais, déjà. Ouais. Alors, tu lui as répondu quoi? Alors, le gars lui a répondu, il dit, ton cerveau, tu le vois, ton cerveau? Tu sais où il est, ton cerveau? Tu le vois? Non, tu vois pas. Il n'y a pas de main, attends. Le cerveau, c'est où il est, attends. Ah oui, pourquoi? Et alors, il est au-dessus de ta tête. Bah quand même, tu l'as vu? Mais HM. Oui, mais tu l'as vu? C'est le pas, cerveau. C'est pas concret, c'est immatériel, HM. Ouais. C'est pas immatériel, c'est Akash Bokhu, il est partout. Il est omniprésent, omnipotent. Pourquoi on doit le craindre? Le terme n'est pas approprié, il ne faut pas dire immatériel. Mais ça, c'est matériel. Non, on le craint pour ne pas faire des fautes. Sinon, si on fait des. Rabbi Yochanan ben Zakkai explique chez la Torah Ma'anisha et Taganav. Donc, il a expliqué Rabbi Yochanan ben Zakkai que la Torah elle punit le voleur en cachette, à Pachout. Hamed Amaman. Qui c'est le voleur? C'est celui qui maintenant il convoite le bien d'autrui. Hacheno Yare et Hachem qui fiche ou Yare Mbassar Madam. Pas seulement c'est un voleur. C'est quelqu'un qui a pas de notion de propriété, mais c'est en plus de ça, il montre par son attitude qu'il craint plus les êtres vivants que Dieu. Ah, il a peur des hommes, mais pas de Dieu. Même de nous, on doit attendre ce niveau-là. On doit comprendre
qu'on est comme le voleur, celui qui dit maintenant, voilà, vous savez, c'est pas difficile. Il y a des gens qui disent, ah bah tiens, on m'a pas vu. Ouais, je peux manger, personne m'a vu. Celui qui dit ça, il est pire que le voleur. Parce que lui, il dit, voilà, les hommes me font peur, mais les... Ouais, mais tu craches, l'autre, il faut me faire ça hier. Et tu te fais attaquer. Alors, tu te fais attaquer dans la rue parce que t'as acquis pas. Ouais. Tu craches, mais on va tout le monde. Moi, je me suis jamais fait attaquer dans la rue parce que j'avais acquis pas. Moi, au contraire. Bah, ça dépend de quelle rue tu passes. Oui. Si tu passes dans le 6e, si tu as le... une bonne conduite normale. Une fois, il y a une trentaine d'années, un mec qui m'a traité. Un goy, un vieux. Un samedi matin, j'avais la kippa sur la tête, le mec qui était derrière moi, il y a ouais, c'est juif encore. Bien sûr. Une seule fois. Une fois. Un mec une casquette. Je suis retourné, il a baissé la tête. Il se fait. Et je veux dire. Achen! On va prendre deux fondements importants. Chaque un, il est en mesure d'atteindre des niveaux élevés. Gam el miche itpata lignov, même celui qui a été séduit par le vol. Qui a oublié que c'est Akash Baruch Hu qui décide à qui il va distribuer. Et donc, il ne peut pas s'approprier des choses qui ne lui sont pas prévues au départ. Moufnet, Adrisha, Ali, Rachamayim, Bedargagwa. Même celui-là, il peut arriver à un niveau de. Élevé. Élevé de crainte de Hashem. Deuxième grand fondement qu'on doit retenir, Beirachamayim, En Emtsayut. Concernant la crainte d'Hashem, il n'y a pas de moyen. Mishi Yaret Hashem. C'est-à-dire la rouge qui loue ou Ahmed et Fanav. Tout celui qui craint Dieu, c'est qu'il voit Dieu en face de lui et il est conscient de sa présence. Et quand tu es conscient, tu sais, tu es devant quelqu'un, tu sais que si tu fais une bêtise sur soi un coup, tu vas pas faire la bêtise. On est d'accord? Oui? C'est lui qui réalise tout. Imla va ou Yachol Yod Ganav. Si ce n'est pas le cas, si maintenant je dis il n'est pas là, personne ne me voit, hop! Au revoir, merci. C'est lui le plus grand. Ouais. C'est pour ça que maintenant, la réclamation face au voleur, elle est aiguisée, elle est aiguë et claire. Pour que le voleur il arrête de voler, il faut qu'il soit conscient qu'il est en face de lui Hachem. Il ne va pas faire la bêtise de voler. Ça, c'est clair. Si maintenant, vous savez, il y a des gens qui disent, mais c'est bon, personne ne m'a vu, je peux faire une petite fraude à l'informatique, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas, allez vite, fait check. C'est sur le gaz. Ouais. Allez. Oui, c'est deux fondements, ça, c'est vraiment bon. Alors, on a dit hier que si jamais on avait une cuillère de viande, et que cette cuillère de viande, on l'a mise dans une casserole où il y avait du lait en train de bouillir, on a dit que maintenant, si jamais la cuillère, elle était batioma, c'est ce qu'on a vu hier, elle avait donné du goût au lait. Alors si maintenant il y a chichim, s'il y a 60 fois plus dans la marmite que par rapport à ce que la cuillère elle a recraché, il n'y a pas de problème, il y a juste à faire la harala de la cuillère. Ouais. Barala ou bismane kelly. Il y a toujours en principe, il n'y a plus de... Pas toujours. Voilà. Maintenant le cas où il n'y a pas, si maintenant tu as une grosse cuillère, tu as pris une louche bien grosse et il y a un petit peu de lait, et tu as fait comme ça, boum badaboum. Ouais. Sir chez Mitvachel Bo Tachil Khalavi. Une marmite dans laquelle on a fait cuire un plat lacté. Vetaou Vechnisou le Tochokaf Besarit Patioma. Et on s'est trompé, on a rentré à l'intérieur de la marmite un ustensile, une cuillère ou une louche qui était Basarit, qui était Batioma, qui a été utilisé dans les 24 heures. Vetor Hesrim Verba Chargen. D'accord. Im Kamut Tafshil Achalav chez Basir Ena Meruba Akolkar. Si maintenant il n'y a pas 60 fois plus dans le lait que ce que la cuillère elle va recracher à cause de la chaleur dans ce plat là. Ouais, en bashishim là. Alors ta basar anifla, hein. Ta basar eno batel metafshil khalav. Donc ça veut dire que maintenant il y a un dîne de tarovet de basar khalav et tafshil khalav nesar beisur basar khalav. D'accord. Donc il se répète 27 fois mais c'est bien. Au moins on aura le plaisir de savoir que quand vous mélangez du lait et de la viande, ça s'appelle du lait et de la viande. Je crois que c'est clair. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la lutte des choses? Alors, la marmite, forcément, si elle a absorbé du issour, puisque l'aliment en soi, on ne peut pas le manger, le lait, c'est foutu. Le lait, il est foutu, on doit jeter. Mais la marmite, elle a absorbé du lait. Donc, il faut faire la gala. Et la cuillère, elle a absorbé du lait. Donc, il faut faire la gala. Donc, tout est à faire. D'accord.
Qui tient? Non, il me dit arrêter quand c'est fini, mais avec toi, c'est jamais fini. Allez, roule. C'est jamais fini. Voilà, dernier paragraphe. Maintenant, dans le cas où maintenant on a besoin d'utiliser la marmite ou la cuillère pour des choses à froid. Kegon, Shirotse, Lani, Arperot, Sonim, Basir. Maintenant, cette marmite-là, j'ai pas fait la rala, mais je vais m'en servir pour transporter des fruits. Rachai, c'est permis. Mais Kevan, Shikashir, Mishtamesh, Basir, Betsonen, Enonene, Minatam, Abaloua, Bedofne, Atsir. Puisque je profite pas maintenant du goût qui a été absorbé par les parois, il va pas être craché à froid. Il n'y a même pas de liquide, c'est-à-dire je mets des fruits, j'ai mis des pommes. Non, il n'y a pas de problème de pagoum. Non, c'est pas. Il n'y a pas d'interdit. Ça, à partir du moment où il n'y a pas de risque de transmission du sourd depuis les parois jusqu'aux aliments, alors on peut utiliser un truc pour sous-entendu. Voilà, moi je suis chez quelqu'un, voilà, et je sais que malheureusement il ne fait pas attention. Je peux mettre dans l'assiette des fruits à froid, si l'assiette elle est propre. Je peux utiliser l'assiette comme plat pour manger mes fruits. Ouais. À froid, il n'y a pas de problème. Et je suis 4 jours. ואין בזה את כל איסור, אך כתבו הפוסקים שגם לצורך דברים צוניים אין להשתמש בכלים אלו בתדירות. Par contre, ça il faut pas le faire d'une manière régulière. Pas se dire, ah bah tiens voilà, j'ai trouvé un plat maintenant, je vais m'en servir maintenant. Plus je m'en sers plus à jour, je m'en servirai à froid pour transporter des trucs. Ça marche pas. D'accord? ויש שכתבו שצריך לעשות היכר כלשהו בסיר כדי שיזכור שהוא טרף ולא שהוא טרף. Et il y en a qui disent qu'il faut faire un petit signe sur la marmite pour montrer qu'il n'y a pas de risque qu'on puisse se tromper une deuxième fois l'utiliser à chaud et qu'on s'en serve qu'à froid. C'est trop lourd. Tout pour aujourd'hui. Tu peux couper.